Un point en revenant ici. Ah bah c'est bon. Ah non. Peut-être que je vais. Moi j'ai des quêtes qui sont vaporeuses sous mes yeux. Attends, il sait quoi cette recette de viande? J'ai la viande et. Ah, j'avais des agrès. Qualité. Bon, je tiens. Un endroit pour Kevin. Attends, c'est où? Putain, il y a des quêtes qui sont apparues. Bébé Kiné en tenue perso. Ah, mais oui. Bon, sans qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas aller me chercher moi-même. La ville de fond en comble, compris. Ok. Ah, que ça sert à rien, j'ai besoin d'un coup de main, t'as une minute. Je range un mariage qui m'a plu. Je te paierai. Alors, okay. Bon, on est bon. En vrai, y'a pas. Là-bas. Qu'est-ce que t'as mis sur la map pour monter? Ah non mais c'est bien des trucs. Okay. Que de la map et plus tu la confiance des PNJ puis tu en débloquer d'autres. D'accord. Bon, je reviens à la capitale pour créer pour faire la cuisine. Un sandwich, je sais plus quoi et tout, elle m'a passé les ingrédients, faut que je le fasse. Je crois qu'il faut une sorte de cuisine. Alors, je sais plus quelle. Ah bah j'ai déjà trouvé un feu, je peux faire que le ragoût. Ah, c'est ça qui est étonnant. Qu'elle me demande de faire un sandwich, mais j'ai pas la recette pour le faire.
Quand je vais dans un feu, j'ai que le ragoût qui me propose. Ouais, je pense que c'était quoi Croft. C'est ok, bah dès que j'ai l'occasion, à chaque fois j'essaie de le monter justement. Ah, du PNJ. Un symbole de monstre. Ah non, je suis passé niveau 33 en fait, je n'ai pas fait gaffe. Arc Bolide. Maintenant, infinité. 4 attaques Shinan, c'est bon, on la dégage! C'est quoi qui nous demande? Ah non, c'est une zone de chasse, ok. Autant pour moi, c'est des zones qui disent bon, qu'est-ce qu'on peut chasser. Changer de perso, Shinan. Alors attends, attends. On va te changer ta tenue. Marre est passé niveau 10. Sachant que le premier c'est Joker, niveau 52 ou 53, je sais plus. Oh, tu l'as trouvé. Yes, oui, j'ai tout trouvé. Je monte doucement, doucement, ouais. Joker, c'était au bout de au moins 3. J'avais fait un marathon Resident Evil l'été dernier. Pendant 3 semaines, donc du coup, c'était pendant 3 semaines non-stop où je streamais quasi tous les jours. Il était là. Joker était là. Je sais plus. Je sais plus sur quel jeu. C'est à partir de quel Resident Evil que t'as commencé à suivre le marathon?
réussi à se poser là où il y a un feu de camp pour passer la journée. Donc t'es 8-2-3? Je crois que le 0 et 1 t'étais pas encore là. Ah oui, attends, que je tombe. Là j'ai que le ragoût. Pour l'instant. En plus, elle me disait, ouais, je vais passer les ingrédients et tout. Je crois qu'à chaque fois, je claque ces champignons. Ouais, le 2, ouais, je pense ça aussi. Hein. Ouais, c'est obtenu son dish, la viande au fromage. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu l'essentiel ici pour l'instant. Histoire de sandwich, on passera un autre jour. Hein. On va avancer un peu l'histoire. Taper du map, bam. Très bien que le DLC peut être niveau 100. Il sort tout de suite comme ça. Bon, qu'il sorte au moins avant que je sois niveau 50. Dans ma tête là. À chaque fois qu'ils ont tué, je me dis pourquoi ils ont pas mis dans le jeu la version. Tu sais, tu finis le jeu, ils te disent oh, maintenant que vous avez fini le jeu, hop, faites la version originale. J'aurais kiffé. Ouais, parce que comme je dis toujours, le Resident Evil 2 est à ça d'être parfait. Merdé à cause des scénarios A et B, ils sont pas respectés. Un changement de difficulté, on va dire.
c'est qu'il soit pas story. Parce que en temps normal, Resident Evil 2, quand tu fais le scénario B, tu tapes pas les mêmes boss que le scénario A. Et en plus, pendant tout le long du jeu, tu zappes totalement Léon ou Claire, enfin ça dépend qui est le perso t'as. Parce qu'à la fin du jeu, t'es en mode, ah mais t'es là? Ah mais oui! Alors que dans l'original, tout le long, ils se disent, ouais, là je suis en train de passer par les égouts et tout. T'as le scénario A, c'est genre, par exemple avec Claire, elle fait péter un mur, elle fait prévenir Léon, ah au fait j'ai ouvert l'accès qui est là-bas, et du coup dans le scénario B, t'as Léon qui passe par là. Vice versa quand le Léon bouge un camion. T'as pareil, t'as un moment donné, t'as le choix entre prendre une sacoche ou une mitraillette. Donc soit tu prends les deux, mais le scénario B, tu les as pas. Et si tu en prends un, tu le laisses pour l'autre. Si tu prends rien, bah tu laisses les deux pour le scénario B. T'as eu une connerie comme ça. Ouais, et c'est tout simplement, c'était pas les mêmes boss. Par exemple, je me rappelle, t'avais Ada et Annette qui se battent, t'as Annette qui tombe. Et du coup, t'es avec Claire en bas, pouf, tu vois Annette tomber et qu'elle est en train de revenir et tout. Windows 10, comment t'expliquer qu'il me fait demande un redémarrage automatique planifié pour les mises à jour importantes? Ouais? J'ai le choix entre OK et redémarrer maintenant. Donc, redémarrer. Donc, si ça coupe. Non, ça. Non, ça coupe pas. Ah, j'allais me dire, et en plein stream, tu vas pas me faire ça? Ouais, donc en style 2, du coup, dans l'original, t'avais quand même. Ils auraient respecté ça dans le scénario. Enfin, dans le scénario B. Dans le remake, le jeu leur était parfait. Là, je t'aurais fait, ok, le jeu est nickel. Ah oui, mais grave. Et Resident Evil 3, pareil, dans l'original, t'avais des choix à faire qui changeaient un peu l'histoire et tout. Selon l'ordre des choses que tu faisais, ça changeait ce qui se passait. Que t'as pas dans le remake. Dans l'original, t'avais le choix, et soit tu veux aller à la station essence, soit t'allais tout de suite où ça à la pharmacie, soit t'allais direct à la centrale. Selon l'ordre que tu faisais, bah, il se passait des choses différentes. D'où la statue ne marche pas. Ça me rappelle un mémo où je pense que tu avais une souris différente. Au Shrak. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, ils vont faire après Resident Evil 8. L'année d'après, t'as Resident Evil 4. Mais j'aurais préféré. Enfin, le Resident Evil 4 remake. Mais j'aurais préféré un remake d'abord de Code Veronica. だったら一足遅かったな。ちょうど俺たちで討伐し終えたところだ。なるほど。私の抵抗が。話では魔獣はかなり強力だと聞きました。あなたたち相当腕が立つんじゃないですか。まあそれなりに自信はある。と言いたいところだが正直覚えていないんだ。まさかあなたたちもベクタの迷子なんですか。 ああ、俺たちをそう呼ぶ奴らにもあったな。目覚めてからどうすればいいかわからなかったが、
なぜだか魔獣を倒さねえとっていう欲求みたい。そこで同じ境遇の奴らと集まってこうして戦っているのさ。生まれながらの戦士って感じだね。とはいえ俺たちにも勝てない相手がいる。あなたたちでも。ここから少し行った場所にいる魔獣でな。本当はそっちが俺たちの本命なんだ。 Oh, c'est mort mon inter. Oh mais moi j'avais bien kiffé Black Desert Online. みたいだな。悪いな。あんたらの獲物を取っちまって。いえ、構いませんよ。構わないわけない。そうか。それは悪いことをしたな。お詫びと言っちゃなんだが。 例の俺たちが勝てなかった魔獣の情報を渡そう。本当か。だが一つ条件がある。討伐へは俺たちも混ぜてくれ。見たところあんたらも相当強そうだ。どうだ。協力か。話を聞く限り俺たちだけで倒すのも難しそうだ。ここは協力すべきだと思うぞ。 仕方ない。では一時的な共闘だ。おお、そんじゃ早速。まあ。いける。 J'ai glissé. Ah non, c'est pour activer la cinématique, ok. La cinématique m'a sauvé de ma chute. C'est vrai, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'il respecte bien les OST du jeu, enfin de l'animé. C'est pas souvent que t'as, dans les jeux t'as la musique originale de l'animé. Le dernier qui est Dragon Ball Kakarot qui font. Dragon Ball Kakarot, faudra que je fasse les DLC moi un jour. ええ、バイゾンやりゃ、みんな、よくやった。これらは一体何をしているんだ。おそらくハイタッチって呼ばれるものだと思う。 互いの手のひらをぶつけて勝利を喜び合うんだよ。現実世界の記憶を失っても体にしみついた行動は覚えているってことか。お嬢ちゃんも見事だったぜ。ああ、そっちもな。 また共闘できるといいな。引き続き
わかった。再び会えることを楽しみにしているぜ。救世主様。Comme on a ruine encore, il y a un truc. なぜ私をそう呼ぶ？だってあんたは救世主だろ？さーて、引き続き魔獣討伐。それが俺たちの使命だ。行こうぜ。メディナ？ああ、どうした？魔獣を倒したこと、対策本部に報告しに行くんだろ？そうだな。待って、二人とも。ん？ne pas me faire TP？ オートまでは距離もあるし、なんだ、ユージオ？そうじゃなくてさ、今の戦いで薬なんかも使ったし、休憩と薬の買い出しも兼ねてってことだよ。ユージオの言う通りですね。近くの村へ寄って。なあ、それと飯だな。早速向かおう。Bah va niquer. Il me ramène en ville. J'ai pas besoin de retourner en ville, moi. Vous voulez continuer la zone et me taper?Ouais, je vais me taper du blabla. Ça. その後、ビルリアの村へ戻ると。なあ。うん。実はな。それで。もしかして。ああ、mais je reviens ici, je reviens pas à la capitale. そうだ。でも、それで、だが、ありがとう。頼む。Les épouses sont habituées dans l'underworld parmi les bâtards en ligne. Quand toi.Ah, donc en gros, quand tu vois des égarés de Vector, en fait, ça peut être très bien un avatar comme le mien, quoi. Pas mal, ah, pas mal comme idée. Encore des nouvelles quêtes ? Attends une minute, j'aurais besoin d'un pisco. Merci.はい、はあ、よろしく。D'avatar en bas à droite de ton écran pour les persos. Ok, ça va être temps.
Oh, ça va être un gros truc. Hein? Oui. D'accord. Oula. Oh, il est gros, lui. Pour monter mes arts, faut que je les monte en les utilisant souvent. Il y a des points de compétences que je dois claquer. Chien que son. Parfait. Bon, on va reprendre la route. Là en vrai je commence à lutter derrière. Je vais pas tarder à m'arrêter. Non, mais ça pêche. Oh, j'aurais dû retourner voir ça suscite. Pas au moins. Pas de réaction. Ouais, c'est pas. Vas-y.
Et le... Vas-y, vous savez quoi, on se tente le monstre. Et après je resève et j'arrêterai là pour ça. Il n'est pas ici? Bien. Ah, alors attends, par contre. On va se taper ça au moins. Les duos, si je suis une... Ouais, bah c'est ce que je vais finir par faire. Parce que c'est lui. Oh, il est prenable. Ah, il fait un peu mal quand même l'enculé hein. Il va être un peu ton axe. Hein. À côté, j'ai pas amélioré mon stuff donc. C'est de ma faute ça aussi. Ouais, il va prendre du temps à se faire enculer celui-là. Thank you.
stun un peu. On va le faire. Je dois rater. Allez, on va la voir. Je pense que pour le fun, je vais me refaire une new save sur les cuisses. Ah, sérieux? Tu vas recommencer tes 480 heures de jeu? Save. Et on va s'arrêter là pour soir. J'allais dire, continue à monter tes affinités ou tes affinités avec les armes, tous les conneries, mais à 480 heures de jeu, t'as tout fait en fait. Je vais m'arrêter là. Je commence à lutter. Vu qu'on a, on arrive, je pense qu'on va enchaîner un peu de dialogue et du coup j'ai pas envie. Bah demain je vais restreamer. À peu près 20h-21h, la même heure, ça dépend. Ah quoi qu'hier, demain on va manger fondu. Ah donc je sais pas quand je vais streamer demain en fait. Bon bref, vous verrez bien. Je serai cool. Allez, salut.